Nous sommes rassemblés ici grâce à l'association Jama Umoja, qui signifie une famille unie. C'est une communauté congolaise du mouvement de l'unification vivant au Bénin et elle est constituée de tous les ressortissants des différentes provinces de la République démocratique du Congo. Et Jama Umoja est aussi une association à but non lucratif et apolitique. Inspire nos pères pour qu'ils puissent nous conduire de bonne voie, et que nos enfants puissent suivre tout ce que nos parents nous auraient déclaré. Vous devez demander pour nous et pour la plus grande Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bonjour la famille. En tout cas, si les papas me répondent ainsi, je serai malheureuse durant toute la cérémonie. Ou bien je serai égoïste pour dire bonjour, seuls les papas, bonjour à vous. Bonjour. Amen. Les papas, vous êtes formidables. Vous êtes formidables. Quand même, applaudissez pour moi si je dis que je suis formidable. Les papas, vous êtes formidables. En ce jour, l'association Jama Umoja, qui signifie une famille unie, à penser au papa. Parce que nous ne pouvons pas être là et à tout moment dire que Journée internationale de la femme, des droits de la femme, hein, on a encore ajouté droits de la femme. Faites de même, bien sûr, on en a besoin parce que c'est vous-même qui nous les avez arrachés et vous nous les avez retournés. Mais comme vous nous avez retourné ces droits et nous avons pensé que nous devons vous célébrer, reconnaître les efforts, reconnaître les semences que vous plantez en nous et vous nous rendez mère et nous aussi nous vous rendons père. C'est pourquoi aujourd'hui l'association Jama Umoja, et nous avons pensé à vous, papa, et merci pour cette journée. Je ne suis pas là pour faire des discours, je suis là aujourd'hui pour célébrer papa. Donc, que vivent les papas! Papa, c'est avec ça là qu'ils vont voir. Non, ce que nous allons faire, comme c'est votre jour, on va demander ranger par ranger. Papa, je te range devant vous. Papa. Papa, je te range. Papa, vivez-vous. Assurez-vous quand même les mains pour m'encourager. Cher papa, vivez-vous. Je te range. Papa, je te range. Papa, je te range. C'est quoi? Vous décidez de vous lever. Papa, vivez-vous! Papa, je vais me manger. Papa, vivez-vous! Voilà, merci beaucoup. Je viens maintenant se ranger. Papa, prenez ranger. Mettez-vous quand même debout. Ah, maman, ne trichez pas, s'il vous plaît. Parce qu'elle a une tendance de se lever. Elle est papa. Maman, ne touchez pas, s'il vous plaît. Papa, vivez-vous. Voilà. Deuxième rangée. Mais papa. Papa, vivez-vous. Bon, l'autre rangée. Papa, vivez-vous. Voilà, vive pour les papas. À présent, nous allons recevoir l'allocution de la coordonnatrice de l'événement, je veux nommer Madame Anna Gounou, Justine. Je remarque que dans la salle, tout le monde est beau, tout le monde est joli, bien habillé. Oui, cela donne la marque de ce jour spécial. Excellence, Monsieur le Vice-président de la FPI Afrique, ici représenté par son épouse. Excellence, Monsieur le Président de la Fédération des familles pour la paix mondiale et
vocation, chapitre Bénin. Excellences, Messieurs les secrétaires généraux de la Fédération pour la paix universelle, chapitre Bénin. Distingués invités, chers parents, nous vous remercions sincèrement d'avoir effectué le déplacement malgré vos occupations diverses. En effet, l'association Diamant Bodia a choisi ce jour, 19 juin 2022, pour rendre hommage bien mérité à nos papas, nos pères, nos géniteurs, ceux-là qui nous ont donné la vie et ils ont donné la vie à l'humanité. Et saviez-vous? C'est de la côte de l'homme qu'a été tirée la femme, telle que la Bible nous le relate. C'est du père que provient la graine, la semence. Ce dernier va vers la mère, qui à son tour le protège, le nourrit, le développe, puis en donne des fruits qui sont des enfants. Du point de vue du principe divin apporté par le révérend docteur Samian Moun, que je vous demande de passionner très très chaleureusement. Le père ou l'homme représente le ciel. La mère ou femme représente la terre. Ainsi donc, la semence venant du ciel va vers la terre, se développe pour donner des fruits. Qui est alors un père? Est-ce nécessairement le géniteur biologique? Pas forcément. Géniteur ou adoptif, le vrai père est celui-là qui a un grand cœur parental, qui a un grand amour pour les enfants, qui prend soin, qui veille au bien-être de chaque membre de la famille. Nous sommes très très reconnaissants de tous les accomplissements que nos papas apportent en famille. Ils sont au four et au moulin. On entend par-ci, par-là. Le bailleur était de passage. Il vous a absenté, papa. Junior est chassé de l'école pour la contribution. Marlène est malade. On doit l'amener à l'hôpital. L'argent de pourquoi de papa. Électricité et l'eau. Le sac de l'école est déchiré, papa. Uniforme, le petit déjeuner. Hein? Papa le garde infini. Oh, bref, la liste est longue. Cher père, vous faites beaucoup. Et nous reconnaissons vos efforts et vos sacrifices. Voilà pourquoi nous vous célébrons. Santé robuste, longévité à vous et à tous les papas du monde. Merci beaucoup. Nous allons encore une fois recevoir la présidente de Diamant Moudia, Madame Marie-Jeanne, qui viendra nous présenter un grand homme. Nous allons tous présenter un grand homme. Et c'est lui qui est le parrain de cet événement. Il s'agit du docteur, je vais faire rentrer si vous le voyez, docteur Yunga Jean de Dieu. Il s'agit du docteur Yunga Jean de Dieu. C'est un homme simple, très timide, mais c'est un grand homme
C'est pourquoi, si vous avez constaté notre petit banderole, nous avons écrit parrain de l'événement, Dr. Jung, agent de Dieu, l'homme qui répare. Il répare quoi? C'est un homme qui répare la femme. Les femmes violées, et vous me permettez, je ne vous insulte pas, étant papa, vous me permettez, il y a un père qui détruit la femme. La femme vient de la rivière, un père qui la rencontre sur la voie, dans les sentiers, et il la viole. Il détruit son appareil génital. Après, une maman qui tombe enceinte, les différentes conditions d'une ou l'autre, au moment de l'accouchement, l'appareil génital complètement détruit. Et voilà, enfin, que notre grand homme, Jean-Dédier Jung, s'est mis à la disposition pour réparer les femmes. Donc, c'est la raison pour laquelle que nous avons bien voulu honorer Dr. Jung aujourd'hui. Donc, si vous voyez, c'est Jama Umoja a décerné ce petit prix au monsieur, au Dr. Jung. Si vous constatez, c'est une femme qui a la cruche sur sa tête, et elle vient de la rivière, et la belle femme, dans les sentiers, elle a été détruite, violée, le corps était complètement saccagé. Et la même femme, dans des conditions difficiles, elle est enceinte, elle porte sur sa tête toutes choses pour prendre soin de son mari. Et voilà, dans des conditions qu'on ne peut pas trop citer, la femme se retrouve enceinte le jour de l'accouchement, son corps génital complètement détruit. Et le docteur Jung qui se permet à réparer tout ça là, c'est pourquoi Jama Umoja a pensé à lui pour reconnaître les efforts qu'il fournit. Et c'est pourquoi le prix lui a été décerné. Nous recevons ici les papas pour nous offrir un cadeau à nous aussi.
il s'agira de danse. Aujourd'hui est un jour de joie. Nous voulons voir les papas célébrer. Pas juste s'asseoir et sourire. Donc vous allez bouger et transpirer avec nous. D'accord? Et donc, par la suite, je vais, sans transition, inviter encore une fois notre très chère maman, Maman Marie-Jeanne Moudiata, la présidente de Diarra Moudia, qui va diriger la séance de remise de prix. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Les prix que vous voyez ici, nous avons les prix fantastiques pour vous les papas. Pour commencer, vous voyez comment l'emballage est tellement chic. Papa, on dit. Maintenant, avant que chacun de vous gagne ce prix, nous allons faire un jeu. Le jeu, c'est simple. Et vous allez jouer, vous allez tirer. Avec l'ambiance de la musique, vous allez tirer. Et si vous gagnez un lot ici, c'est pour vous. Et c'est quelque chose très chic que les papas, les mamans vous ont réservé. Mais avant de faire ce tombeau-là, c'est moyennant 2000 francs. 2000 francs, c'est petit pour votre honneur. 2000 francs seulement. Les trois ici, c'est les trois cadeaux que l'association Diarra Umoja a réservés. Donc symboliquement, les papas qui représentent tous les papas. C'est juste un symbole. Donc maintenant, nous allons appeler les mamans qui sont concernées de choisir la couleur qu'elles veulent pour remettre au papa. Nous commencerons d'abord par appeler notre maman nationale, Madame Alognon. Madame Alognon, vous pouvez passer devant, s'il vous plaît. Et parce que, vous me permettez, je vais d'abord vous la présenter. Elle va citer seulement son nom. Le reste, c'est qu'elle me laisse. On m'appelle Miko. Miko. Et le nom de mon papa, vous avez laissé ça où? Je m'appelle Miko épouse à l'Oignon. Voilà. Elle s'appelle Miko, épouse à l'Oignon. Voilà. La maman que vous voyez, si l'association Diarra Umoja est aujourd'hui sur pied, c'est grâce à cette maman. Merci beaucoup. Parce que cette maman, pendant la période qu'elle a dirigé l'association Diarra Umoja, c'est elle qui a mis tous les piments, du sel et tout pour que Diarra Umoja se tienne aujourd'hui. Parce qu'à travers elle, nous avons organisé une grande assemblée générale et c'est l'assemblée-là qui avait amené à maman, une autre maman que je vais appeler, je ne connais pas son nom, mais c'est elle-même qui viendra vous citer son nom. Et après l'assemblée générale que Maman Miko a organisé et c'est l'assemblée-là qui avait abouti la dame, point d'interrogation. Donc vous comprenez, et c'est madame qui a commencé le processus pour, donc qui a projeté le processus pour qu'on ait pour qu'on obtienne le récépissé. Elle a projeté et puis madame, point d'interrogation, a récupéré et pour continuer là où nous sommes jusqu'à aujourd'hui. Donc, j'ai indexé quelqu'un, je ne vais pas citer son nom, qu'elle se présente. Et madame indexée, elle fait semblant. Qu'elle se présente. La voilà. Maman, passez devant nous. Elle a reçu le ballon. La voilà. Je ne connais pas son nom, qu'elle se présente. Juste le nom. Ici, c'est Madame Kasui Tchala Justine, épouse d'Anabo. Merci beaucoup.
C'est elle qui a reçu le ballon, qui avait reçu le ballon que Madame Miko a projeté. Et c'est après elle, c'est la petite que vous voyez, celle qui vous parle, c'est elle qui a reçu seulement. Et puis, l'association Diamant Umoja est là aujourd'hui. Donc maintenant, derrière toutes ces trois dames que vous voyez devant vous, il y a aussi une autre qui se cache souvent et qu'aujourd'hui on va la déraciner. Il s'agit d'eux. Elle viendra citer son nom elle-même. Moi, je ne connais pas son nom. Mais je vais seulement la cibler. Elle fait semblant. Maman, dans les semblants là, passez de moi. Je m'appelle Sikwaya Akosim et vous êtes. Merci beaucoup. Les Congolais étaient là, mariés, et c'est la maman qui a pensé qu'est-ce que nous allons faire pour que les femmes congolaises, les hommes congolais mariés ici au Bénin puissent être unis. Et voilà, l'idée était sortie de Madame Alphonsine Sikwaya, que Diamant Umoja a commencé pour en faire sortir cette grande dame Miko que vous voyez. Après elle, suivie de cette grande dame Justine Anagono, Madame épouse Anagono que vous voyez. Après elle, c'est la petite qui parle trop, c'est elle qui est là jusqu'aujourd'hui. Et voilà, l'origine a commencé de la grande dame que vous voyez à notre extrême. Cadeaux à nos papas. L'instrument qui est dedans, comme il y a deux papas qui sont là, lorsqu'ils vont recevoir, avec votre permission, maman Geneviève, vous choisissez la couleur de votre choix et nous vous présentons notre papa ici. Il ne nous abandonne jamais, papa, avec votre permission, vous vous laissez seulement là où vous êtes, ne vous déplacez pas. Merci beaucoup, le président de la Fédération des familles pour la paix mondiale, chapitre Bénin. Papa, les enfants sont là, et nous sommes vos enfants, nous sommes aussi vos belles-sœurs. Je sais que vous nous aimez trop. Donc, c'est pourquoi maman va seulement nous représenter pour vous offrir quelque chose. Petite que soit-elle, nous vous demanderons d'accepter ça avec le cœur pour reconnaître les efforts que vous fournissez et l'amour que vous projetez envers nous étant en paix. Il y a un autre papa qui ne nous abandonne pas malgré la distance, mais au moment où nous parlons, il est tellement occupé. Le cher époux de notre grande tata. Voilà. Donc voilà, elle va lui-même se donner des bisous. Hein, voilà. Il s'agit de secrétaire général de la FPU, la Fédération pour la paix universelle. Il s'agit de M. Honoré Anagono. Voilà. Ou bien c'est à papa de se déplacer. L'expression du cœur de maman. Je vais pour cela appeler
Papa Alognon Emmanuel. Bonsoir à tous, chers invités. Merci pour votre présence cet après-midi pour rehausser cet événement. Je dois reconnaître qu'il y a longtemps que je suis papa, mais je n'ai pas eu cette chance que je suis en train d'avoir cet après-midi d'être célébré. Donc, je dois remercier Yama Omoja. Il faut applaudir tout Yama Omoja. Parce que, comme je l'ai dit, depuis que je suis papa, je n'ai jamais été célébré, mais je suis en train d'être célébré en cette soirée. Donc, merci à Yama Omoja. Et sans discours, je dirais longue vie à Yama Omoja. Reconnaître que nous sommes très heureux d'être ici ce soir, de célébrer ce jour que nous appelons le jour de papa. Le premier papa, en réalité, c'est Dieu le Créateur. Nous l'avons appelé Père, Fils, vous le savez. Donc Dieu est le premier papa. Alors si aujourd'hui nous célébrons ce jour, je pense que si nous allons nous référer Dieu le Créateur qui est le premier papa, nous ne devons que emboîter le pas de notre très cher premier papa qui est Dieu, qui est le parent céleste. Sous la coupole de toutes les mamans, de tous les papas en provenance surtout de la RTC, je crois et je pense que cette association a encore du chemin devant elle, vraiment. Et nous allons soutenir alors cette association pour que demain, qu'à travers Yama Omoja, voit de plus merveilleuses choses à se réaliser à travers cette association. Donc je remercie les uns les autres et je dis qu'aujourd'hui, nous sommes vraiment très heureux d'être les récipiendaires. Bonjour. Mes impressions sont des très fortes impressions. En ce jour spécial et surtout en face à cette association de Maurice. Vous savez, la Fédération des familles pour la paix de l'éducation. Donc, je suis membre, je présente, mon nom c'est Pascal Bébé. Nous avons environ quelques mois, ça va faire 30 ans. Alors, dans cette fédération, nous avons ici au Québec déjà plus de 10 nationalités. Mais l'initiative, n'est-ce pas, de nos sœurs et de nos frères, de la RTC, nous ici, et nous ne pouvons que les accompagner et les soutenir très fortement. Merci à Yama Omoja pour cette initiative. Nous sommes très reconnaissants et nous pensons que cette association fait une très bonne chose. Et comme l'a dit mon prédécesseur, on aurait souhaité qu'il y ait davantage d'associations. Et célébrer les papas, c'est aussi indirectement célébrer les mamans. Je voudrais prendre cette occasion pour remercier toutes les mamans. Papa Aïko, c'est grâce à maman Aïko. Donc nous vous saluons, nous vous remercions et nous savons que nous aussi, nous avons essayé de faire de vous des mamans. Donc je vous souhaite une très bonne fête et que papa et maman demeurent unis pour le son pour nos enfants. Merci beaucoup et plein succès à Yama Omoja. C'est sur les mains des grandes choses qui est dedans. Grand-père à l'instance, vous êtes où? Le jeu va se dérouler comme ceci. Vous payez votre 2000 francs, vous faites tirage. Et maintenant, le numéro va tomber, vous recevez votre cadeau. Et grand-père, venez à côté, 2000. À chaque papa, 2000. Maintenant, nous avons aussi un gros lot. Nous avons Cotonou, Kinshasa. Kinshasa, Cotonou. Pour un séjour de 10 jours.
dans un hôtel de Vic à Kishaka, hôtel Pullman. Voilà. Et tout ça là, au frais de l'association Jama Umoja. Thank you.
Le propos était là. Il a montré qu'il vibre correctement.
Merci beaucoup. Je vais pouvoir vous présenter le comité d'organisation de cette fête que nous avons célébrée aujourd'hui. Nous avons Maman Didiane Ngama, qui est devant moi. Venez vous présenter, s'il vous plaît. Venez devant ici. Maman Didiane Ngama, avancez, s'il vous plaît. Maman Clémence, Madame Aho. Madame Aho. Venez, s'il vous plaît. Présentez, avancez. Ce sont les grandes dames de l'association Diamant Mondial. Elles marchent avec tout le monde. Notre fils, Aristote. Voilà, c'est Maman Clémence. Elle marche avec toute élégance. Maman Clémence. Maman nationale. L'épouse à Aho. L'épouse à l'oignon. Voilà, c'est la grande dame de fer. Voilà, avec ses brillantes. Maman, le grand frère, nous l'appelons communément Yamoukolo. Yamoukolo, Yole Kibango. Yole Kibango. Yole Kibango. Oh, Yamoukolo, Yole Kibango. Également, ça c'est notre grande ministre. La grande dame, la grande dame enseignante, Maman Anagono. Le petit staff pour l'organisation de la fête de ce jour. Je vous remercie. Merci beaucoup.